Yaolana, c'est Eric, et voici votre lecture angélique pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Semaine de nouvelle lune en scorpion qui sera le lendemain de Samhain, le 1er novembre à 6h55 du matin, je crois, en scorpion. J'espère que vous allez bien, que vous passez une semaine constructive, transformante. Pour certains, c'est pavé de grosses fatigues, pour d'autres aussi d'un sentiment de difficulté. J'ai vécu dans mon entourage très proche des histoires absolument dramatiques qui sont sans entendement. Des genres de situations que nous n'avons pas à connaître dans notre existence et qui sont le fruit de ce que nous devons enfin accepter comme inacceptable, n'est-ce pas ? Et de poser des limites fermes. Donc ce qui va être intéressant, c'est que nous sommes en plein dans une énergie qui nous demande de sceller définitivement nos envies. Il ne s'agit même plus de se dire simplement « mes envies sont importantes, c'est mon droit chemin ». Non, il s'agit d'affirmer haut et fort ce que nous voulons. Et si ça nous demande un acte de foi, alors ainsi soit-il. Mais c'est une période qui demande d'être encore plus connecté à notre perception intérieure et de faire confiance en cette pure perception, puisque le monde extérieur tel que nous l'avons connu essaye de tout faire, à mon sens, pour que nous ne puissions pas justement accéder à notre vérité. Et c'est d'autant plus important de garder l'issue du cœur. Tout ce qui engendre de l'amour pour notre vie, pour nous-mêmes, pour les autres, c'est notre issue de sortie. Donc, c'est très important cette semaine d'être dans une persévérance personnelle concernant ce qui nous motive intérieurement, même si ça semble chaotique. Et pour introduire cette guidance, je vais introduire du coup cette expérience personnelle qui m'a demandé de réduire mes heures dans mon activité salariée, que j'ai depuis maintenant 3 ans, et qui est plaisante sur certains aspects et qui n'est pas pour autant mon ikigai. C'est-à-dire que ma passion, c'est vraiment d'être en indépendant, de travailler ma créativité telle que je l'entends. Et là, la vie me pousse à réduire mon nombre de jours dans ce travail, dans cette activité, afin de retrouver ma créativité, notamment ma création d'orgonite. Et cette transition est en cours, elle me fait clairement ressentir de la peur, et en même temps, je ressens tellement la puissance de cette voix intérieure que je dois lui faire confiance. Donc, je vous en parle dans l'instant présent, je suis en plein dans cette transition. Mais la vie, elle nous ramène vers notre essentiel et elle nous demande, elle nous dit que plus c'est gros ce qui nous déplaît à l'extérieur et plus justement il faut tourner les talons et aller dans le sens de ce qui nous fait vibrer. Donc c'est parti. Donc pour les 3 temps de la semaine, je vais travailler avec l'oracle La géométrie sacrée de l'auteur Lon, ou Lon, je sais pas, aux éditions Vega. Et pour la carte de synthèse de la semaine, on va utiliser l'oracle des licornes de Cordelia Francesca Braps. Et aux éditions Contredire, alors c'est bizarre parce que ça ne dit pas de qui sont les illustrations. Tiens. Mais à moins que ce soit directement d'elle, ça me paraît très bizarre cette histoire-là. Ça me paraît très bizarre. Alors qu'est-ce que ça dit? Parce que j'aime bien citer quand même toutes les sources. Eh ben ça ne dit rien. Bon bah écoute, ok. Artiste inconnu mais dont les illustrations sont somptueuses. Ah non, bah en fait, il y en a plein des graphistes, des illustratrices. Ouh là là, ah oui, bah, il y en a même beaucoup. Il y en a au moins une dizaine. Bon, alors je vous invite à regarder dedans. Donc c'est parti, bon, on va faire les choses à l'envers. Un petit poussin. Nina, elle est dans le salon, elle vient de finir de se casser une noix. Et petit poussin, il fait la petite vidéo. Alors pour information, la formation Vol Libre s'avance super bien. Donc je sors 3 à 4 fois les poussins pour le moment dans une petite cage de transport. On prend la voiture ensemble. Et depuis quelques temps, petit Piri se met à chanter dans la rue, interpellant les passants.
Mais en tout cas, ils s'habituent de plus en plus au bruit extérieur et surtout, ça leur fait énormément de bien. Là, on est dans la phase toujours de désensibilisation pour qu'ils n'aient pas peur des bruits extérieurs. Et étant donné que j'habite en ville, il y a des passages de bus, de voitures, de vélos. Eh bien, le premier but, c'est qu'ils soient vraiment confort avec tous ces bruits-là. Nina, ça prend plus de temps, mais le petit loulou, là, il adore ça de plus en plus. Donc c'est parti. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour la synthèse de la semaine prochaine. Ok. C'est joli. J'aime bien, j'aime bien. Et donc, pour la géométrie sacrée, ça va, loulou ? Tu te relâches tellement que je ne suis pas à l'abri d'un petit popo de pied, hein ? Pour merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer, de nous envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine qui nous éclaire tous. Ok. Merci de m'envoyer, de nous envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Ok. Et pour la synthèse de la... Merci de nous envoyer un message clair pour le week-end prochain. Ça va, mon loulou ? Merci. Ok, c'est parti. On commence cette guidance ? T'es en train de t'endormir alors que c'est le matin encore ? Oui, t'es beau. Tu m'as fait mal, hein. Tu voulais pas le bisou. C'est parti pour le début de semaine prochaine. Donc, vous pouvez mettre pause, hein, voilà, qu'il n'y ait pas de... Et prendre le temps. Voilà, mettez pause. Et observez juste ce mandala un instant, c'est la fertilité. La fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Ok ? Alors, je le remets. Voilà. Et je vous inviterai à mettre pause et à regarder le dessin en pensant la phrase suivante 2-3 fois, je suis fertilité. Voilà. Donc, pour ce début de semaine, il y a une énergie, bon bah clairement d'expansion de créativité. Je vous ai parlé de ma reprise de créativité avec les orogonites. C'est un début de semaine qui va dégager une notion de richesse d'idées. Tout un tas de choses qui vont nous traverser. La seule vigilance à avoir, c'est nos peurs. Dans le sens où on ressent encore un contexte qui semble en non-phase avec toutes ces perceptions que nous pouvons avoir. Je vous rappelle encore une fois qu'à l'extérieur, ce sont mes perceptions bien sûr, tout ce que je vous dis là, à l'extérieur, tout est fait actuellement pour nous voir sombrer et ne pas nous épanouir. Et c'est pour ça que certains, certaines peuvent ressentir ce qu'on appellerait des attaques. Ce sentiment d'être empêché d'eux. Il faut en faire fi et être en mode guerrier de lumière. Là, c'est même plus être de lumière, c'est guerrier de lumière. On y va. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place et d'y aller? Je vous dis... J'ai déjà parlé de... J'ai beaucoup parlé ces derniers temps de depuis 4 ans, dans ma vie ça s'est saldé par la perte de ma maison, mais au-delà de ça, l'effondrement de tout mon univers, la perte de mon piano, la perte de mon atelier, la perte de mon jardin, de mon bassin, de ma serre, de tout ce qui faisait mon monde qui me nourrissait. En fait, là, je suis en train de retrouver tout ça, étape par étape. Mais j'ai compris, effectivement, l'importance de cette énergie dégommante. Et plus ce que nous avons à faire est important, et plus, effectivement, on essaye de nous dégager. Par le « on », j'emploie bien les anciennes forces involutives, qui pour moi ne sont plus que des débris, néanmoins ces débris peuvent encore flotter autour de nous. Faites un focus sur votre vérité. Et quand je dis « plus notre mission est importante », je ne parle pas d'être le plus grand orateur du monde. Je parle de la puissance de notre lumière d'être ce que nous sommes, notre capacité à inspirer les autres, à faire de même, à s'écouter, à s'honorer et à vivre une vie
de rêve, d'accord? Donc on fait focus là-dessus, je sais, même si ça paraît très compliqué actuellement. Courage, ok? Alors, pour donc ce début de semaine, cette énergie de fertilité, clairement dans l'air, il y a une notion de créativité. Donc ça peut passer par une notion artistique. Qu'est-ce que tu as envie de créer? Mais pose-toi la question, ça peut être quelque chose que tu créais avant, au même titre que je faisais les orgonites que j'ai envie de reprendre. Ça peut être quelque chose que tu as toujours rêvé de créer. Crée-le maintenant. Engendre l'idée sur le début de semaine, tu seras porté à ça parce que c'est un point depuis lequel cette créativité va façonner ta nouvelle matière, ta nouvelle réalité. Et je le répète, nous n'avons plus à nous normer à la réalité, c'est la réalité qui doit s'aligner à ce que nous sommes, à ce que nous voulons. Donc, il est important de prendre conscience de ce magnifique pouvoir, j'allais être extrêmement vulgaire, mais tant pis, j'allais le dire, à ce putain de pouvoir personnel. On s'y accroche maintenant et on garde bien ça à l'esprit. C'est ce que j'aimais depuis ma puissance qui façonne la réalité. Je n'ai plus à subir la réalité. Et si encore tu subis des choses compliquées, quels sont les aspects de toi avec lesquels tu te juges, ou tu t'auto-sabotes, ou tu n'autorises pas ce plein pouvoir à se manifester? Donc début de semaine, créativité, je suis en pleine expansion de créativité. Je me demande qu'est-ce que j'ai envie de créer. Ça peut être une recette de cuisine, ça peut être un truc simple. Mais là, on est en train d'aller chercher ce qui nous fait du bien à l'âme, ce qui vient nourrir nos quotidiens, qui fait que nous nous levons de bonne humeur, d'accord? Même si ta réalité n'est pas encore la plus épanouissante possible, commence par ça. Fais confiance que c'est le galet jeté dans l'eau qui génère une onde très puissante. Et tu vas voir un répondant de la vie, d'accord? C'est parti. Ensuite, pour le milieu de semaine, donc les deux cartes, c'est chakra de la gorge. Alors, je t'invite à mettre pause, regarde-le aussi un instant. Une belle fleur de vie, la gorge, ce que je vais exprimer, et la perception. Regarde. La perception. Il y a ce point central, ton pouvoir, autour duquel tout s'imbrique et tout se met à tourner. Ta réalité doit ressembler à ça. C'est toi le point focal. Tu n'es pas un des petits ronds autour de ce point central. C'est ça la compréhension que nous devons intégrer définitivement. La fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. Donc je t'invite à mettre pause, à regarder le mandala et à dire la phrase suivante que je viens d'oublier bien entendu. J'adore quand c'est comme ça. L'inconnu me stimule... Attends, qu'est-ce que je peux dire? Je fais totalement confiance en l'inconnu qui se présente à moi comme étant la plus grande bénédiction de ma vie. Je fais confiance en l'inconnu qui se présente à moi comme étant la plus grande bénédiction de ma vie. Voilà, ça c'est le message de la carte de la perception, le chakra de la gorge. Je n'ai plus peur d'exprimer tout ce que je ressens et d'exprimer ce que je désire voir se manifester dans ma vie. Je suis infiniment puissant. Puissante. Voilà. Donc, le milieu de semaine, comme il vient de le dire, cette nouvelle lune, et bien justement, comme toute nouvelle lune, c'est un moment de l'obscurité, où la lumière disparaît. Il est très important, du coup, autour de cette nouvelle lune, d'asseoir notre lumière, d'être
la lumière qui vient chasser les ténèbres des incertitudes et des peurs. Donc, en ce milieu de semaine, faites confiance en vos perceptions. Effectivement, notamment s'il y a une situation à quitter ou quelque chose que vous devez affirmer. Mais ça me parle de perceptions redondantes que vous pouvez avoir ces derniers temps, de petites choses qui sont ancrées dans votre quotidien auxquelles vous ne prêtez pas attention. Donc engagez-vous, juste par cette affirmation. Je m'engage à donner de l'importance à toutes mes perceptions qui sont redondantes. Il y a quelque chose qui doit prendre fin en milieu de semaine prochaine. Ouais, ah bah c'est comme ça que ça sort. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Est-ce une relation? Est-ce une situation? Mais c'est important d'être attentif à ces perceptions redondantes pour clôturer quelque chose. Quelque chose simplement qui nous freinait et surtout qui engendre des doutes et des peurs par rapport à ce qu'on a énoncé en début de semaine. D'accord? Je suis plus puissant que ce que je ne crois. Ma puissance dépasse toute mon intelligence et ma conscience terrestre d'être humain. Je laisse cette puissance circuler, je laisse cette puissance détruire tout le mal, tous les doutes, toutes les peurs qui m'entourent et qui essayent de venir jusqu'à moi. Voilà. N'est-ce pas mon loulou ? Il n'y a pas autre chose à dire. Et pour le week-end prochain, c'est la carte de la prospérité. Regardez comme elle est magnifique. Affirmation positive. Maintenant que ma puissance est découverte et exprimée, la magie opère dans tous les recoins et bien plus encore de ma vie. Vous êtes cette représentation. Je suis cette représentation. Je suis une fleur de lumière. J'éclos dans la splendeur de qui je suis. Je suis un être magnifique. Je m'aime de la tête aux pieds. Ma vie se transforme de toutes les façons possibles et inimaginables et infinies. L'abondance, la santé, l'amour, le partage, la compréhension, la réceptivité, la beauté, l'abondance illimitée, je l'ai déjà dit, je crois, la sécurité, le plaisir, le bonheur et l'épanouissement, le rayonnement de soi sont maintenant ma réalité et seront ma réalité dans toutes les directions de l'espace et du temps. Merci, merci, merci. Donc le week-end prochain, nouvelle ère, d'accord ? Nouvelle ère, nouvelle abondance et prospérité. On se disait avec mon amie Morgane, on a traversé des zones très compliquées la semaine dernière. Et on se disait en rigolant, mais c'est un truc de fou quand on fait nos guidances, on est euphorique. Et on se sent bien derrière, on sent que ça élève notre vibration. Et pourtant, on n'a pas l'impression d'expérimenter forcément ce qu'on dit. Mais pourtant, quand on fait ces vidéos, eh bien, on sent que c'est sincère ce qui ressort. Et en fin de compte, c'est la part de notre âme. Donc oui, bien sûr qu'il y a quelque chose d'égoïste aussi à faire ces vidéos. C'est que c'est un moment pour elle comme pour moi. Je me permets de parler pour elle aussi. Parce que ça nous fait du bien. On se sent bien, on se recentre. Mais en fait, en partageant cette vérité aux autres, dans la volonté d'aider, d'apporter des bonnes ondes aux autres, eh ben, on se renforce aussi dans nos convictions. Et l'apothéose, c'est d'avoir des retours positifs et merveilleux de gens comme vous qui vivaient des choses similaires. Donc on se soutient mutuellement. Donc je le répète, même si en revenant dans notre quotidien, après avoir écouté cette vidéo, eh ben, dans une heure ou deux, tu dis oui, bah, c'est mignon ce qu'il dit Eric, quoi. Si seulement, oh, il est gentil ce petit Eric, j'aimerais bien vivre ce qu'il raconte. Eh bien, ancre-le. Ancre-le
c'est ta vérité. Moi, je m'engage, au nom de ce que je vous partage, à me rappeler de ce que je dis là dans cette vidéo. Mais plus que jamais, fais confiance. Je ressens une force très profonde parce que depuis maintenant un mois, en fait non, depuis mon retour de Grèce, j'ai l'impression de me reconstituer comme des fragments de moi-même qui ont été éclatés, explosés. Ça a commencé par une étape de réveil. J'avais perdu toute ma mémoire sensorielle de ma vie d'avant. Et là, ça revient comme une mémoire physique. C'est-à-dire que je ressens de nouveau dans l'air des choses que je pouvais ressentir avant. Et j'ai compris enfin que c'était ma réalité d'âme. Et que oui, la matrice, elle a réussi à mes 36 ans à me faire sombrer dedans, dans tout ce que je ne voulais pas en fait. C'est-à-dire vivre une vie qui m'est imposée en fait, et qui me détruise à petit feu. Et mon visage, cette fatigue, cet épuisement, la perte de mes cheveux, bref, des soucis de santé, eh ben oui, tout ça que j'ai expérimenté, c'était le fruit de cette dissonance que j'appréhendais jusqu'à mes 36 ans et qui m'a éclaté à la figure. Mais là, je suis de retour avec moi-même et je réalise, quand bien même j'ai des séquelles, eh bien je réalise que non, jusqu'au bout, jusqu'à ma mort en fait, et bien au-delà, je chercherai continuellement à m'aligner à mes valeurs, à ce qui me fait du bien. Et c'est pour ça que je suis autant insistant avec cette énergie magnifique qu'il y a à l'extérieur sur l'importance de qui nous sommes, de qui tu es. D'accord ? Donc cette prospérité, ce n'est pas un fruit du hasard, ce n'est pas une espèce d'énergie qu'on invoque. C'est la validation de notre valeur, de notre infini, de nos qualités infinies. Et maintenant, on y va. Il n'y a plus de mais, il n'y a plus d'énergie qui ont à nous chahuter, il y a juste ce que nous sommes, ce que nous avons envie de vivre et l'amour que nous avons envie de partager avec les autres et cette terre. D'accord ? Voilà, je vous envoie plein d'amour. Un petit loulou, on est ok. Et pour finir, donc la carte de synthèse, c'est la carte de l'intuition des licornes. Si tu veux, tu peux mettre aussi la pause pour profiter un instant de bien regarder l'image. Il y a Nina qui appelle à côté. Écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Donc ça, voilà, eh bien c'est la synthèse de tout ce que nous nous sommes dit, de l'importance de cette intuition. Pourquoi les licornes? Je le dis à chaque fois, quand les licornes apparaissent, c'est la justice divine. La licorne, c'est un animal qui ne peut être d'une perçu que par les personnes au cœur pur, et de deux, c'est un symbole, une émanation de la justice divine. Maintenant, ton seul job, c'est d'être dans ta justesse, dans ton alignement, et de demander maintenant à l'univers, depuis cet espace de cœur, maintenant, justice divine. Et comme un écho, tu le fais partir. Je vais vous raconter une anecdote par rapport à ça. En 2016, en fait donc, par rapport à mon histoire de maison, ça aurait été, moi, mon challenge de vie, ma destruction. Je ne sais pas pour quelle raison. On a tous un domaine, il y en a, c'est une relation. Moi, c'est ma terre, c'est comme une mémoire amérindienne, c'est la connexion à ma terre sacrée. Et en 2016, c'était la maison de mes parents où j'ai grandi, mais mes parents étaient partis. Et c'est une maison que j'avais repris, entre guillemets, mais que je ne leur avais pas acheté. Sauf qu'à un moment donné, s'est posée l'histoire de la vendre et je n'ai pas pu racheter ce lieu. Et je croyais vraiment qu'il y aurait un miracle, en fait, et que je pourrais le racheter. En tout cas, tout convergeait vers ça. Mais bref, c'est même plus l'histoire. J'ai eu mes réponses maintenant. Mais en 2016, donc ça s'est passé en 2020, la vente. En 2016, mes parents avaient déjà mis en vente la maison. Et à cette époque-là, c'est le moment où j'ai commencé à tourner ces vidéos, j'ai vécu un cauchemar, je n'y croyais tellement pas que je pouvais quitter ce lieu, que j'avais pourtant donné toutes mes plantes, enfin confié mon piano, etc. Et la maison avait été quasiment vendue à des Asiatiques, hein, pour
Pourtant, j'ai rien contre l'Asie. Mais là, c'était très important ce petit détail qui, en fait, dans le quartier où j'habitais, faisait un business de racheter des maisons et de les détruire pour les transformer en petits immeubles. Du coup, moi, ce qui m'avait anéanti à l'époque, c'est que ce jardin qui était pour moi d'une luxuriance, un refuge pour beaucoup d'êtres, allait être détruit pour être transformé en parking. Et là où je suis devenu complètement fou, c'est qu'un matin, j'ai vu dans la rue, certaines se rappellent de cette anecdote, je l'avais déjà racontée il y a longtemps de ça, et avaient planté des bâtons d'encens dans la rue devant la maison. Et mes parents, même ma mère, mes parents plutôt cartésiens, étaient forcés de reconnaître qu'il y avait quand même un truc très bizarre. Eh bien, figurez-vous qu'à l'époque, j'avais entendu qu'il fallait que je protège la maison, mais surtout que je guérisse tous les lieux que ces gens avaient détruits. Et j'ai eu la vision qu'ils avaient comme enterré les esprits des lieux. Ils blasphémaient tous les lieux qu'ils achetaient, sans aucune conscience de la terre. Et un soir, j'ai visualisé ça, une belle bulle de lumière, et avec ma maison, Raonui, ensemble, on a visualisé beaucoup d'amour qui est parti comme un réseau souterrain et qui allait envoyer de l'amour dans tous ces lieux. Deux jours plus tard, c'était une petite semaine, la vente a capoté avec ces gens-là qui n'ont pas eu leur financement et ils sont venus carrément pleurer auprès de mes parents d'attendre encore un petit peu, etc., qu'ils allaient avoir leur prêt. Et j'ai chopé cette femme et je lui ai dit, vous savez, c'est pas très bien ce que vous faites, mais comment ça? De planter des encens, d'utiliser de la magie ou ce genre de truc. Et là, elle s'est trouvée toute bête, ah, mais c'est pas moi, c'est une dame qui est rivale, nan. Je ne sais même plus pourquoi je raconte cette anecdote. Toujours est-il, si, c'est la notion de miracle, si. À ce moment-là, j'ai connu trois femmes d'un resto thaïlandais qui sont devenues des grandes amies. Et je leur racontais ce que je vivais, sachant que ces personnes qui achetaient la maison étaient thaïes également. Et elle m'a dit, tu sais, moi, quand j'ai un gros problème, je prie, j'appelle Bouddha, et je ressens un courant d'air, et je lâche prise. Je remets tous mes problèmes à Bouddha. Et dans ces termes, c'était l'univers, et je laisse. Et elle m'a fait ce mouvement de la main. Et elle me l'a dit tellement habitée de sa foi, j'ai ressenti le « je me concentre sur ce qui me pose problème, je m'adresse à l'univers, je le confie et c'est terminé. » Chaque chose à sa place. Viens le bras, louloute. Viens Nina. Tu as le bras. Voilà, Nina, c'est parce qu'elle entend cette énergie qui ne lui avait pas plu. Donc, en fait, viens poulette, viens le bras. Donc, c'est ça que je veux vous dire, pourquoi cette longue anecdote, c'est bien ma chérie. Coucou ma poulette. On dit bonjour. Bah oui. Coucou mes loulous. Donc, c'est vraiment l'énergie du moment. Fais un focus. Tu te concentres, on va le faire sur la petite méditation. Cette semaine, écoute ton intuition sur quelque chose qui aurait éventuellement acquitté. Et laisse aller, laisse partir. Ça va mon ange? On fait la méditation? Tu es d'accord? Donc c'est parti pour la petite méditation. Donc je fais un signe de la main pour avoir le repère, pour le timing. Voilà. C'est le Schlumbergera. Le Schlumbergera, qui est une plante épiphyte endémique du Brésil. C'est une plante qui vient nous dire dans mon oracle. Elle est dans mon oracle. La joie s'invite pour maintenir vos pensées positives. Accueillez et acceptez ce remède pour transformer vos soucis en merveilleuses opportunités. Vous aurez l'occasion cette semaine de vivre des moments gais et de grande joie. Il s'agit d'un puissant cadeau que l'univers vous a envoyé en réponse à vos prières. Par le biais de la joie et de la pensée positive, on vous invite dès maintenant à garder une vision optimiste de tous vos désirs, afin d'attirer des résultats merveilleux dans votre vie. Et n'oubliez pas de rire. Le Schlumbi, c'est vraiment une énergie de rire et de joie. Donc, visiblement, c'est le petit bonus que j'espère que nous allons vraiment expérimenter cette semaine. Mais en tout cas, concentrez-vous. Concentrez-vous sur tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est encore normal si à l'extérieur nous ressentons du chaos.
C'est le but, en fait. La seule chose qui reste aux forces sombres, c'est d'essayer de titiller là où ils peuvent la peur et de resserrer les taux par rapport à quoi ? À l'énergie financière principalement. C'est leur dernière carte puisque c'est le truc qui régit les lois de la matière, les pépettes, le pognon, la thune, comme ils l'appellent. Alors que nous, nous allons appeler ça l'or. L'or et l'argent, à la base, tout va bien chérie, sont deux entités extrêmement positives. L'élément or, l'élément argent sont extrêmement positifs même pour notre santé. Donc maintenant, on va appeler l'énergie de l'argent et de l'or purifiée par les sources d'amour et de lumière. D'accord ? Et que même ces lois qui régissent la matière soient transcendées. Ça va commencer par la vie de quelques-uns qui, ok, valident leur joie intérieure, valident leurs rêves. On va vivre maintenant une construction positive. Ça va inspirer et c'est ainsi que pourra enfin être démantelée cette espèce de chape de verre négative qui nous a emprisonnés aussi longtemps. Cultive ta bonté, cultive tes rêves et s'il te plaît, crois-y. D'accord ? Alors, bien sûr qu'il faut être responsable, il faut être terre à terre aussi, mais dans une belle nouvelle terre. Demande des signes positifs, demande à être accompagné à chaque étape par toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, et surtout, lâche prise. L'intention est envoyée, vis et déleste-toi de tout ce qui t'entrave encore, ok ? Voilà. Donc c'est parti juste pour 2-3 affirmations positives, on va prendre celle du livret. Merci pour les plaisirs. Merci pour les moments de détente, de joie et de rire. Tout va bien dans ma vie. Et mes moments de... Pardon. Et j'attire vers moi toutes les choses favorables et les personnes que je mérite dans ma lumière divine. La lumière de qui je suis, tu as raison. Merci à l'univers. Merci à l'énergie joyeuse du Schlumbergera. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi que tu veux dire ? N'oubliez pas de rire. Oui, toi tu sais rire. Hein. T'es une copine. Voilà. Je suis infiniment puissant. Tout ça, tout ça. Je suis ma plus belle réalité qui transforme toute ma réalité extérieure. Amour, joie et lumière. Et bonheur. Ah, t'as envie d'être taquine. Tout va bien dans mon monde. Merci. 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 Bon, bah, je pense que c'est fini, il y a un bruit de moto qui s'excite. Je te souhaite une semaine aux couleurs de l'arc-en-ciel. Je te souhaite d'être bien dans ta peau. Je te souhaite d'être en confiance avec tes perceptions. Et je te souhaite tout le bonheur du monde. Voilà. Je reviendrai vers vous prochainement, du coup, bah, en plein dans ma transition, pour vous proposer le premier zoom que je vais organiser. Je pense que ce sera un zoom, pour le coup, très matière. Ce sera sur les plantes, principalement les plantes d'intérieur. Comment je cultive des plantes chez moi? Comment je choisis des plantes par rapport à ma qualité de vie? Comment je place mes plantes chez moi? On peut parler par rapport au feng shui. Donc, si vous en avez envie, vous pouvez déjà, sous la vidéo, poser des questions afin que je puisse commencer à préparer aussi ce que j'aurai à partager. Et on pourra parler aussi de la signification des plantes et comment les utiliser en énergétique. Ça, je sais pas si... Pour moi, c'est tellement naturel, sincèrement, que je ne sais pas si j'ai quelque chose à partager. Mais c'est peut-être ce naturel-là que, justement, c'est important, comment dire, de le communiquer. De déconstruire les « il faut » et de se laisser encore plus aller à notre instinct créateur et créatif. Ok ?
Je vous souhaite une excellente semaine. Les poussins et moi, nous nous joignons ensemble pour vous dire à la semaine prochaine. Et si vous voulez, dites avec moi, aloha.